J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer les petits tampons que j'ai commandés sur AliExpress. Il y a vraiment des très très beaux tampons. En plus, j'ai vraiment pas payé cher, donc j'en ai profité. Alors, je pense que ça doit être la même boutique sur laquelle que j'avais fait donc ma petite commande la fois dernière. Alors, je suis en train de chercher un petit papier comme d'habitude. J'ai encore oublié de prendre quelque chose. Alors, donc, est-ce que ça irait? Je pense. Alors, je prends ça. Alors, sur certains modèles, vous avez donc le tampon plus le dye. Alors, ça, j'avais commandé le tampon, mais je crois qu'il n'y a pas le dye avec. Alors. Ah, j'ai pas tout commandé les dye parce que ça faisait quand même une petite somme. Je sais pas si ça serait mieux que je vous l'ouvre parce que là il y a des petits voilà, je pense que ça sera peut-être mieux. Voilà, alors c'est des petits lapins là avec un cerf. Il y a des petits lapins avec des boules de neige. Ah, c'est le problème, c'est que j'ai allumé ma lumière et on voit pas très bien. J'ai le reflet au niveau du pied. Alors, donc là, vous avez donc my wish for you. Enfin, il y a plein de petits mots. Alors, c'est pas pour en plus en anglais, donc c'est pas pour ça que je l'ai commandé. C'est pour le petit tampon qui est là et le petit lapin qui est là. Il lance des boules de neige. Donc, j'ai trouvé qu'il était quand même assez beau. Donc, je vous mettrai en barre d'infos donc le lien de la boutique. Vous verrez, il y a énormément de choix. En plus, c'est bien, c'est que vous avez les dyes pour certains tampons. Hein, celui-ci, je crois que j'ai pas le dye, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc là, j'ai fait la commande. Je vous referai une commande le mois prochain pour pouvoir avoir les dyes. Alors, après, je vais le mettre comme ça, ça sera peut-être mieux. Il y a celui-ci. Donc là, ça va être des petites souris. Sont vraiment trop trop belles. Bon, il y a des petites phrases en anglais, mais ça, moi, je vais pas les utiliser. C'est toujours le même problème, c'est toujours avec des mots en anglais. Regardez. Ah, avec le... Avec le petit ballon. Avec une souris. C'est un pot à crayon, je crois. Ah non, c'est pas un pot à crayon, pardon. Ils sont là en train de... Oui, j'avais mal vu, excusez-moi. Ils sont en train de préparer un petit cadeau. Ils sont trop beaux, ces tampons. J'aime bien. Alors là, j'ai commandé avec le dye. Quand je les aurai tamponnés, je vous les montrerai. Alors, c'est vraiment pour les petits personnages. Alors, vous me direz, il n'y a pas grand-chose. Mais j'ai trouvé que les personnages, ils étaient quand même assez beaux. Ils étaient assez mignons. Regardez, il y a un petit ça doit être une petite souris, je pense. Oui, il y a un rat, une petite souris, un petit lapin, un petit renard et un petit hérisson. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Avec le reflet de la lumière, c'est pas évident. Et vous voyez, donc, au dos, vous avez le dye. Voilà. Donc, c'est pas un ensemble. C'est soit vous commandez le tampon, ou vous commandez les dyes, ou vous commandez les deux. Alors, moi, j'ai fait une petite commande. Je me suis dit, ce mois-ci, je vais commander celui-là. Et pour ceux que j'ai pas les dyes, je referai une petite commande. On peut pas tout acheter. Hein. C'est pas possible. Alors là, vous avez donc toujours un petit peu dans le style des dessins que je vous ai montré. Il y a le petit arbre de Noël avec une petite étiquette. Alors toujours des petites phrases en anglais. Donc alors je sais pas qu'est-ce qui est écrit. Alors Merry Christmas, Happy Holiday. Là tout en haut elle écrit Wishing you the merriest of Christmas. Il faudrait que je traduise pour voir qu'est-ce que ça veut dire.
Alors vous voyez, donc là je sais pas où ça mettre le die dedans, parce que bon, il y a des moments où je me souviens plus c'est quoi par rapport à quoi. Donc j'ai mis un 1 et j'ai mis un 1. Vous voyez, donc là quand j'ai regardé quand j'ai reçu le die, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'arrivais pas à dire c'était correspondant à quoi. Après j'ai vu qu'il y avait le petit die, donc je me suis dit ça peut être que ça. Après vous voyez, vous avez les petits tags, les petits die comme ça pour les petites étiquettes. Voilà. Alors pour savoir si un die est correct, vous le superposez au dos et ça vous permet donc de voir. Bien, vous le mettez là-dessus. Moi, c'est qu'est-ce que j'ai fait. Je vais vous le montrer. Voilà, vous voyez directement si le die est bien correspondant au niveau des formes. Vous voyez, donc pour le sapin de Noël et pour le tag. Voilà. En plus, vous voyez, c'est bien si vous voulez tamponner juste sur une feuille entière. Donc, tout le tampon, vous pouvez. Voilà. Donc, vous avez le petit die, donc pour le petit tag. Alors après, moi j'ai pris ça. Alors avec les petites souris. Regardez comment c'est trop trop mignon. Trop choupinou. J'adore. J'aime bien. Vous voyez là, pour faire un petit décor de neige, c'est super sympa. Ça peut être pas mal. Alors là, au dos, donc je ne sais pas si vous allez voir, il y a le die. Voilà, je l'ai mis dans la même pochette hein, parce que j'avais peur de plus me souvenir. Donc, ensuite, j'ai pris, alors toujours un petit peu, toujours sur la même boutique. Alors j'ai pris un petit peu dans un autre style. Alors j'ai trouvé que les tampons, ils étaient quand même assez beaux. Donc vous voyez, vous avez une branche de fleurs, vous avez un petit mur. Vous avez un petit vase et vous avez une sorte de mur cassé en fait. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Alors ensuite, alors celui-ci, je suis un petit peu, on va pas dire un petit peu déçue, mais je m'attendais que les écritures soient un petit peu plus fines. Donc, alors, ça, je l'ai pris pour commencer mon bullet journal, pour le mettre à l'entrée au niveau donc de la page de garde, donc la page de présentation. Vous voyez, vous avez un grand plumier. Vous avez donc qui est écrit calligraphie tout en haut. Voilà, et vous avez le dernier. Alors, j'ai pas pu faire autrement, malgré que j'ai pas pu faire autrement que de m'acheter un. Un petit tampon de chat, donc ça sera pour ma soeur, pour son album que je vais faire par la suite. Parce que comme elle a des chats, elle m'a demandé celle, je pouvais lui faire un petit album. Regardez, c'est trop trop beau. Ils sont vraiment trop trop choupinous, les petits chats. Regardez, hop. J'espère que vous voyez bien avec les reflets de la lumière, c'est pas évident. Voilà. Allez, il y a des petites pattes de. Deux petites pattes de chat, un petit visage, un petit minou. Bah, je trouve qu'ils sont vraiment trop bien faits. Je vous ferai donc un essai pour voir un petit peu les tamponnages, qu'est-ce que ça donne. Parce que des fois, on achète des tampons et en fait, quand on tamponne, la qualité n'est pas au rendez-vous. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ce petit haul vous aura fait plaisir. Moi, j'étais contente de vous tourner cette petite vidéo. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous! Bye!